l'espoir fait vivre. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. Et tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des bonnes poires. Mais on parle d'espérance de vie aussi. Une différence lexicale qui n'existe pas dans les autres langues romanes. En français, on n'a pas un, mais deux concepts vagues. En pleine deuxième vague. Des états, des vertus, des émotions, des sentiments. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des promesses, des mensonges, des utopies, des délires, des dénis ou des illusions. Et qu'ils sont tous les deux issus du verbe sperare, espérer. Et vous vous demandez tous, mais d'où vient donc ce E initial qui n'existait pas en latin original? C'est rien. Juste un métaplasme linguistique. Une altération du mot autorisée par l'usage. Là où le latin commençait par S plus P, K ou T, la langue française opère ce que l'on appelle une prosthèse. C'est comme une prothèse chirurgicale. C'est le même mot. On ajoute une lettre sans pour autant changer le sens du mot. Par exemple dans Stella. L'étoile qui brille. Sponza. La femme que l'on épouse. Ou Sponsus. L'époux que l'on suit. Dieu nous prosthèse. Espérance, c'est esperanza en espagnol ou speranza en italien. C'est construit sur le participe présent du verbe. Parce que ça s'inscrit pleinement dans le temps. Participer positivement à chaque instant. C'est plus de justice, un élargissement des possibles, de l'amélioration pensée à l'échelle collective. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. Mais l'espoir, c'est construit sur l'indicatif présent. Parce que le temps, lui, il le dévore. Comme Cronos, qui dévora ses enfants juste par peur d'être détrôné. C'est une poursuite de la rentabilité. De l'amélioration pensée à l'échelle de l'individu pour ce seul individu. S'y exprime donc aussi la peur. De perdre, de manquer. Celle qui avale tout. La démocratie surtout. Selon Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans peur et pas de peur sans espoir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir n'est pas forcément tout noir pour autant. Camus pensait qu'il est aussi résignation. Celle qui permet à l'homme de dire stop, de ne pas supporter tous les mots qui l'accablent. Et là, il y a quand même bien de quoi péter un câble. Stop in the name of love. Alors citons Héraclite pour terminer. Mais juste à moitié. Hein. Juste pour dire que sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré. Non pas celui qui est inaccessible et introuvable, comme lui le pensait, mais de l'inespéré qui dépasse toute espérance. Pour qu'à la peur imposée, on préfère enfin la délivrance. S'aimer encore, danser encore.